comblé de bonheur avec son adorable fillette Nina, Laurie Pestet a longtemps cru ne jamais connaître le bonheur de la maternité. La faute à l'endométriose, un fléau qui l'a contrainte à subir une ablation chirurgicale de l'utérus et donc renoncer à avoir un deuxième enfant. Si est-il une décision que Laurie Pestet n'a pas prise toute seule. Atteinte d'endométriose, un mal qui touche 10% des femmes en âge de procréer, la chanteuse et comédienne a dû se tourner vers la PMA pour concrétiser son rêve de devenir maman. L'adorable Nina a pointé le bout de son nez, le 11 septembre 2020, après une grossesse des plus compliquées. Et les douleurs se sont intensifiées après l'accouchement, de quoi contraindre l'ex-compagne de Billy Crawford à subir une hystérectomie, soit une ablation chirurgicale de l'utérus. Ça a été très dur à prendre comme décision, on en a beaucoup parlé avec mon compagnon. C'est une décision qui se prend en couple. Le problème, c'est que c'est irréversible. Je sais que je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant, expliquait-elle sur le plateau du Buzz Télévision. Je ne me voyais pas repartir avec des piqûres d'hormones dans un entretien au long cours accordé au podcast In Power. L'actrice de Demain nous appartient à rembobiner les échanges précédant cette lourde résolution. Mon compagnon m'a dit que ce n'était plus possible, donc on a longtemps parlé pour savoir si on voulait un autre enfant. Yann, Dernocourt, note de la rédaction, avait déjà un petit garçon qui a 12 ans, donc à la maison on a un garçon et une fille, si est-il cool, si est-il déjà bien. On a quand même des métiers où on bouge un peu dans tous les sens. Et moi, je ne me voyais pas repartir avec des piqûres d'hormones, une nouvelle FIV, franchement si est-il épuisant, a-t-elle confié à Louise Aubéry. Avant de révéler qu'elle souffrait également d'adénomyose, une cousine de l'endométriose. C'était une décision pas facile parce que même quand on en parle avec son compagnon, qu'on est sûr de soi, sur la table d'opération. J'étais encore en train de pleurer. Si est-il irréversible, a conclu celle qui revit depuis cette ablation.